Présentation d'anciens programmes en flash sur la symétrie par rapport à une droite. Suite avec des exercices sans quadrillage. Première page, un axe vertical. On peut déplacer les points A et B. Page suivante, on a un outil pour construire les symétriques de A et de B. Cet outil fonctionne de la façon suivante. Pour A, on place ce point en A et on déplace cet outil qui ressemble à une équerre qu'on pourrait fabriquer, coulissante. On place cet outil de cette façon pour obtenir le point D symétrique de A par rapport à la droite D. On range l'outil et on recommence avec le point B. On obtient le point F symétrique de B. Le symétrique du segment vert et le segment bleu. On rappelle qu'une symétrie conserve la longueur, c'est une isométrie. Avec un axe horizontal, même traitement. Pour le symétrique de A, alors cet outil a l'avantage d'insister sur la définition du symétrique. La droite D est la médiatrice de AD. On range l'outil pour trouver le symétrique de B, qu'on appelle F ici. Et enfin le symétrique de C, qu'on appelle K. Le triangle bleu est le symétrique du triangle vert. L'air est conservé. Conservation des longueurs, des angles, des aires pour une isométrie. Pour un axe quelconque, que l'on peut modifier au hasard de l'ordinateur, même traitement avec cet outil. Pour le point D symétrique de A, on range l'outil pour y voir plus clair et on recommence avec B. On obtient le point F symétrique de B. Et pour terminer, le point C. A pour symétrique K. Les triangles vert et bleu sont symétriques. On peut reprendre le programme en flash interactif en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.